Ok, je vous ai dit que cette année, j'allais vous fatiguer en agriculture, non? Voici la fatigue qui a commencé. Voici le travail des braves paysans. Voilà, le travail des braves paysans du Korodougou qui est là. Voilà. Cette année-là, c'est ce que je vais vous montrer sur mon agriculture. Qui parle de coton, pas d'igname, pas de maïs, pas d'arachide. Vous êtes couché d'Abidjan là-bas, manger bois, 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 c'est arachide, bois, 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 là. Vous ne savez pas comment ça se produit, non? Voici ça. Cette année, je vais vous voir avec ça même. Je vais commencer à arracher, non? Allez, maïs en maturité. Français, là, ils m'en foutent de ça, si vous voulez, là. Je dis la baobab et les baobab, ils m'en foutent de vous. Voilà, champ de maïs en maturité. Vous voyez, non? C'est fatigue, souffrance de ça cette année-là. C'est pour montrer le travail des braves paysans du Korodou. Le travail, les efforts qu'il faut pour mettre les enfants à l'école. Les efforts qu'il fait pour nous nourrir, même nous qui sommes poussés dans les grandes villes, nous sommes les stadiums. Puis on les traite de villageois, de woya woya, de n'importe quoi là. C'est grâce à eux qu'on vit. Et il y a les oiseaux qui veulent parler dans mon direct. Ok, je profite pour remercier ceux qui ont pu booster ma vidéo. En 24 heures, la première fois que j'ai ça sur une de mes vidéos, en 24 heures, 2000 vues, vraiment je suis content. Pour un nouveau youtubeur, je suis vraiment content et c'est beaucoup. C'est beaucoup fait, c'est par rapport à ça, je vais vous montrer tout. Voilà, donc voilà ça, le travail que les femmes, les hommes, les braves, les battants, les vrais battants font au village, pour nous nourrir en ville. Ça, je ne vais pas tout montrer, parce que c'est des hectares et des hectares. Donc j'ai décidé de montrer une partie en maturité, une partie qui est prête à donner. Là vous allez savoir que nos parents là, ils sont couchés en ville, ils travaillent. Qu'ils vont vous mettre à l'école, vous les aidez, qu'ils vont vous mettre à l'école. Qu'ils vont vous mettre à l'école, vous n'allez pas vous coucher seulement sur Facebook, sur n'importe quoi. Vous allez bosser, travailler pour pouvoir les sortir de ces souffrances, pour les aider, pour leur donner encore des matériels pour plus travailler au champ et pour les aider à plus travailler. Okay? Donc c'est pourquoi j'ai dit. Je vous montre le travail des braves paysans. Voilà, c'est le travail des braves paysans. Vous avez vu déjà? J'ai dit, c'est des hectares et des hectares, les parents font ici. Ils font du maïs, hein, qui nous sert à manger là-bas, bois, 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 en ville là-bas. Ils font de l'arachide, qui nous sert à faire la sauce arachide. Quand ils sont couchés, même on se frappe dessus, il y a un peu partout là-bas. Hein? Ils font du coton qui nous fait, qui nous habille. Hein? Le père fondateur n'a-t-il pas dit que le succès du pays repose sur l'agriculture? Mais pourquoi ces paysans encore qui souffrent? Pourquoi ceux qui font tous ces travaux-là, pourquoi ceux qui souffrent? Si le succès du pays repose sur l'agriculture, vraiment, moi je pense que, je n'ai pas dit que c'est mal de payer les anciens artistes à 300 000, 300 000, je ne dis pas que c'est mal. Je ne dis pas que c'est mal de payer les anciens footballeurs, je ne dis pas si c'est mal, c'est vrai, c'est leur boulot, c'est bien aussi, ils doivent le compenser. Mais il est aussi bon que le président de la République mette un projet. Cette vidéo-là, écoutez, quand on a fait, il est suffisant que le président de la République met un projet en place pour entrer dans les différents départements, dans les différents villages. Les vieux cultivateurs qui ont travaillé sur leur dos jusqu'à arriver à un moment même, ils n'arrivent plus à marcher. Ils n'atteignent pas 45 ans et ils n'arrivent plus à se redresser. Pendant ce temps, quelqu'un d'Abidjan qui a 60 ans arrive même à faire des footings. C'est le boulot. Donc le président de la République doit aussi mettre quelque chose en place, vraiment, même si c'est pour les payer juste le stimic. Le simming, par moi, recensé encore des braves paysans, des cultivateurs qui sont vraiment fatigués, comme on le dit, à l'aide de la retraite, pour qu'ils puissent prendre vraiment pour s'aider. Cette vidéo-là, c'était pour ça aujourd'hui. Voilà. C'est une dépauperisation, hein. C'est cette année-là. C'est pas en ville. Tout va se passer dans les plantations, dans les champs des parents. Voilà. Je vous ai montré champ d'arachide, champ de maïs. Voilà, on a qu'à cette année-là. Les gens ont dit que ça n'a pas été ça. L'année prochaine, là, je pense que le prix que le gouvernement a donné, là, ça doit être respecté parce que devant moi, les preuves, j'ai des vidéos de ça, je vais balancer. Les gens payent en acad dans des endroits à 150 francs. Or, ce n'est pas le prix que l'État a fixé. Donc, la filière en acad doit être bien redressée comme la, telle que la filière du café cacao est redressée. Les paysans souffrent. Les paysans souffrent. Souffrant de ça, pensez à ça. Le succès du pays repose sur l'agriculture, oui ou non? Si ce n'est pas, si c'est pas le cas, ne nous blaguez pas, ne nous dites pas que non, le succès du pays repose sur l'agriculture. Les paysans travaillent. D'accord, je pense que je vais m'arrêter cette vidéo. Je dirais pour dire que c'est une dépauperisation que le Mania a fait cette fois-ci-là. C'est un boulot très acharné que les parents font. Donc c'est-à-dire que pensez à eux. La filière Anaka doit être redressée. Voici le champ d'Anakad. Plus d'hectares d'Anakad que les parents travaillent. Et on donne les prix à la télé. Ils ne sont même pas capables de payer au prix normal.
Un, d'abord, les bascules sont triquées. Et de deux, vous arrivez encore à diminuer jusqu'à 150, 100 francs, 150 francs parfois le kilo. Et c'est pas bon, c'est dangereux. Il faut que ça change. Le succès du pays repose sur l'agriculture, oui ou non. Donc, c'était déjà le mania pour cette vidéo pour vous dire vraiment, la population souffre, les villageois souffrent. Il faut que ça change. La cherté de la ville, ça commence par ici. La cherté de la ville, ça commence par ici. Parce que si ça. Ils ont fait les arachides. Si ça ne produit pas normalement, ils n'ont pas des trucs pour traiter. Ils ne sont pas encouragés, ils ne sont pas accompagnés. Que ça donne peu. Peu là. Elle va vouloir vendre pour avoir plus. Méfions-nous. Ok. C'était juste le mania pour cette vidéo. Je vous en